Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de notions de fonction. Nous allons voir comment nous pouvons définir une fonction à l'aide d'un tableau de valeurs. Donc, par exemple, nous avons ici un tableau de valeurs avec la variable x et la fonction h. Donc, sur ce tableau de valeurs, nous allons trouver sur la première ligne les antécédents, représentés par la lettre x, et leur image une fois qu'on a appliqué la fonction h. Nous pouvons répondre à ce genre de question. Quelle est l'image de 3 par la fonction h? Donc nous allons chercher l'image de 3, c'est donc que 3 est un antécédent. Donc nous allons le chercher sur la première ligne. Et nous allons trouver son image qui correspond, qui ici est 12,5. On dira donc que l'image de 3 par la fonction h est 12,5, ce qui se note h de 3 égale 12,5. Autre question. Quels sont le ou les antécédents de 3 par la fonction h? Nous cherchons les antécédents de 3, donc 3 est une image par la fonction h. Nous allons donc chercher 3 sur la deuxième ligne. Nous le trouvons à deux endroits. Et donc, on pourra dire que 3 a deux antécédents par la fonction h qui sont moins 1,75 et 5,5. Ce qui se note autrement, h de moins 1,75 égale 3 et h de 5,5 est égal à 3.